Et allez, on se revoit. Alors. Il faut que je tape le corps à corps ici. J'ai plus envie de jouer Silas en fait et de faire 1, 2, 3 et tout cramer en fait. Ça serait quand même cool de tout cramer en speed. Allez, Théo. On joue Théo. Il va essayer de se faire les runners. Quoique, il y a Ariane. Hein. Je fais le believe. Allez, Ariane. 1, 2. Ouais, 1, 2. Et elle tire. Enfin, elle tire. Elle fait son corps à corps. 4D à 4+. Purée, elle en fait aucun. Elle en fait aucun. Mais elle est la chanceuse du coup. Ah, elle en fait un. Dernière action. À 4+. Yes, elle le fait. Ok, heureusement qu'elle a cette lame-là. Hein. Oh. Un 8D pour en tuer deux, quoi. 1, 2. Elle aura joué. Ok. Sylvia, elle a 4 actions. 1, 2. Non. J'hésite en fait. J'hésite, soit je fouille et j'arrive là, soit j'arrive là, je prends la compétence chanceux de Ariane pour le donner à Silas pour qu'il soit vraiment tranquille pour nettoyer tout ça. Ouais, non. Je vais faire 1, je vais dropper. 2, oh joli. 2, 3. Et 4, elle va tirer ici dans les wolves. À 3 plus avec un dé. 3, elle le fait. Yes. Et on a tué au moins un. Ok. Maintenant. Bob. Bob, il a pas grand-chose. Ouais. Il a pas grand-chose avec lui comme équipement, hein. On va peut-être essayer de jouer Théo du coup. Théo qui va faire ça. 1. Alors non. Bob. On va jouer Bob. Bob échange à Théo sa désintégration. Première action. Deuxième action. Troisième action. Il va tirer. 3D à 5 plus. Et plus 1 de dégâts. S'il fait un 6. Alors, 3D à 5 plus. Fait un mort. Non, je vais faire Lucky. Oh, joli! Donc, il tue les deux wolves. Donc, première action échangée, deuxième, troisième et quatrième. Il va tirer sur le fatty. Il fait pas de 6, il relance en lucky. Pas de 6, ok. Et il aura joué, il gagne 2 points d'adrénaline. Ok. Il nous reste Arnaud et Théo et Silas. Donc, Théo, première action. Deuxième action, il échange désintégration. Ok.
première, deuxième, troisième, il tire ici, donc il passe un 6. Ah. Ouais, il fait le 6. Et dernière action, il rééchange des intégrations à Bob. Ok. Il nous reste Silas et Arnaud. Je vais plutôt jouer Arnaud. Qui va faire 1, 2, et il va lancer la bile de dragon et la torche ici. Et il va se faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il se fait 10 XP. Ah, il risque de mourir ici, mais d'un autre côté, si j'enlève la zone d'invasion ici, je suis plutôt tranquille. Je le tente. Ouais, je le tente. Et il se fait 10 XP. 21. Il passe en orange. Il aura plus 1 de déplacement gratuit. Très bien. Iscarapate. Ça, c'est défaussé. Ok. Il nous reste juste Silas. Silas va faire 1 et il va essayer de tirer là-dedans. Un. Alors, avec l'arc du chaos, sur du 3+, s'il n'y a que des réussites, c'est feu du dragon. Deuxième action. Donc là, je peux relancer avec flèche, en pagaille. C'est sur du 3+, ça ne marche pas. Il y a 3 morts. Boum, boum, boum. La règle de cible. Ouais, c'est bon, c'est ça. Boum, boum, boum. 3 morts. 1, 2, 3. Allez, je vais essayer de me faire l'abomination. Donc il est à sa troisième action. Allez, feu de dragon. Blam. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Donc il a fait première action, deuxième action, troisième action, quatrième action. Et du coup, il peut encore en faire une. Parce qu'il a une action à distance gratuite que j'utilisais tout à l'heure. Bah allez, j'ai fait ça, je m'arrête là. Déplacement des zombies. Donc, lui avance là, eux avance ici. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Eux de 1 et la wolf de 3. 1, 2, 3. Zone d'invasion. En bas, nous allons avoir. C'est pas vrai, un nécromancien quoi. Mais lâchez-moi les nécros! Hop, nécromancien qui viendra avec une double invasion. Ici, 5 walkers. 2, 3, 4, 5 walkers. Avec 3 walkers. 1, 2, 3. Ça, c'était la double invasion. Il nous reste 2 zones encore. Un nécromancien, donc il avance, et 2 runners. Ok. Donc, on n'a plus de torches. Alors, je refais ma pile. On n'a plus de torches, on a juste Silas qui peut créer des merveilles en feu de dragon, mais on ne pourra plus passer. Mais on ne pourra plus passer. Donc, on peut faire 1, 2, 3,
4. 1, 2, 3, 4. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Il sprint. 1, 2, 3, 4. Tout reste sur les épaules de Silas, qui doit arriver à faire un feu de dragon ici. Allez. Il peut relancer celui-là. Allez, à 3+. Non. Première action, il ne le fait pas. Ah, merde! C'est une action distance de gratuite. Il a 1, 2, 3. Il peut lancer le quatrième et y arriver. S'il n'y arrive pas, on prend 3 touches. 1, 2, 3. Allez, je le tente, comme ça je crée vraiment le différentiel. Allez, je le tente. Boum. Donc, il a fait une action à distance gratuite. Maintenant, il reste ses 4 actions de base. Il fait une action, deux, trois actions pour s'en séparer, et sa quatrième et dernière action pour faire un feu de dragon là-dessus. Allez. Là, faut que tu arrives. 3+. Yes! Feu de dragon, il le tue. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Mouvement des zombies. Hop. Donc, un, deux, deux, un seul, un seul, quatre. Ok. Invasion. Ici. Catwalker. Ok. Avec. Walker, waouh! Ouais, je pense que là il va falloir que j'agisse parce qu'ils vont enfin, ils vont vraiment s'activer en masse. Deux Fatty, Catwalker. Alors, j'avais dit deux Fatty, quatre Walker, 1. 4. Allez, en termes de Walker, là, il me reste que j'essaie de calculer ça. 1, 2, 3, 4, 5 Walker. Waouh. 5 Walker. On refait la pile. On va jouer du coup Arnaud qui va essayer de tuer ces quatre-là. Donc il a l'arc tempête, donc 3+, à 3D, à 3 de distance. Il en tue deux, première action. Deuxième action, il en tue un. Troisième action. Il en tue un. Ok, il en a tué 4. Avec toutes ses actions. Ok. Maintenant qu'elle a une hache. Allez, ouvre-moi ça. Elle ouvre d'office. Nous allons avoir 5 wolves et 3 walkers. Ah bah, j'ai bien fait. Et 5 wolves par contre. 1, 2, 3, 4, 5. 5 wolves. Ok. Alors, première action, elle a fait ça. Deuxième action, elle va. Alors, deuxième action, troisième action, quatrième action. Les trois, elle va tirer avec son arc directement dans les wolves à 3+. Et ben alors, tu tiens. Non, mais Sylvia, quoi. Ok, elle aura joué. Du coup,
Est-ce que j'y vais comme un bourrin ou pas? Non, j'y vais pas comme un bourrin, on va dire Bob. On va faire 1 et va tirer avec sa désintégration. Donc 3D à 5 plus. Aucun. Deuxième action, troisième action. Aucun. Quatrième action. Aucun. Oh, ça sent très mauvais ça. Oh là là. Ouais, non. Faut que j'y aille encore avec Silas. Parce que les autres sont pas capables de le faire. Ah, c'est pas possible. Ah non, je vais y aller avec Ariane. Ouais, c'est trop chaud. Ouais. Non, elle a 4 actions, on y va. Elle meurt si je me loupe. Ah, la pression! Non, allez, hop, on y va. Au corps à corps. Première action. Alors, deuxième action, 4D à 4+, avec chanceux. Ok, elle en tue 2 pour la première action. Deuxième action, pardon, troisième action. Yes, c'est bon, c'est fait. Elle en tue 2. Ok, pour ça. Donc, elle fait 1, 2 actions. 3 actions. Il lui reste encore une quatrième action. Et on a tué 4. 1, 2, 3, 4. Elle va fouiller. Une dague. Ok. Bah, elle va l'équiper tout de suite en fait, la dague. Avec l'épée de Vif-Argent, ça peut être pas mal. Ok, elle a joué. Il nous reste Théo Silas. Donc Silas. 1, 2. Il va tirer là-dedans pour faire un feu de dragon. Boum, feu de dragon. Il en tue 3. Ah, c'est lui qui fait ma game. Hein. C'est un truc de fou. 1, 2, 3. Donc, première action, deuxième action, enfin une action gratuite. Il va dropper. Il chope de l'eau. Donc, 1. Action gratuite. 2. 3. 4. Ok. Théo va faire 1. Va dropper. Ah non! 3, 4, 5. Ouh, je crois que c'est un mauvais choix. Non, 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 non. Oh bah attention, je l'ai fait. Oh, j'ai fait une connerie là. Oh non! Ah, j'ai vraiment fait n'importe quoi. Allez. Ouais. Il en tue 2, mais il en reste encore 2, ça fait 6 touches. J'ai fait n'importe quoi. Bon. C'est vrai que tous les deux, ils ont des. Tous les deux, ils ont des armures, hein, mais. C'était vraiment pas malin de faire ça. Ok. Allez, déplacement des zombies. 1, 2. 2, E2, 1, E2, 2, tout ça se déplace de 1. Ça se déplace de 1 également. Et tout ça se déplace de 1. Ok. Faisons directement les touches en haut pour voir si j'y survis ou pas. Alors, il y en a 6. Je vais mettre 4 touches sur Ariane et 2 touches sur Théo. Non, 5 touches sur Ariane. Non, allez, 2 touches sur Théo et 4 touches sur Ariane. Allez, Ariane. Donc,
On va utiliser chanceux, hein. Ouais. Ouais, ça passe. Elle prend une touche. Et deux avec Théo. Allez. Oui, sauvegarde les deux. Yes. Oh, yes. Oh, j'ai de la chance, hein. Lucky! Et l'invasion. Alors, ici, une Wolf Abomination. Et six Walkers. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Ouh, c'est pas dit que j'y arrive là. En bas, une double avec deux runners et quatre walkers. Donc, deux runners. Ça, je les ai encore. Et quatre walkers. 1, 2, 3. Ah, il m'en manque déjà un. Donc, ça réactive tout ce monde. Donc, tout ça arrive ici. Tout ça arrive là. Eux se déplacent de 1. Et eux se déplacent de 1. Ok. Dernière. Double invasion. Donc, en bas. Nécromancien et non, ça c'est le deuxième tour, ça compte pas. 4 wolf. 4 wolf. Ok, on s'en sort. Faut se carapater au plus vite. Alors, on va jouer du coup Ariane. Pour la première, Ariane va essayer de tataner cela à 4+. Elle en tue 2. Parfait. Bon, première action. Deuxième action. Troisième action. Quatrième action. Donc ça fait hop, 2. Théo va sprinter. 1, 2, 3. Va essayer d'ouvrir la porte. Où est-ce qu'on va là? Ouais, non. J'essaie d'ouvrir la porte. Première action. Deuxième action, il essaie d'ouvrir la porte. Il y arrive. On va voir. Oh, sans déconner. Il a beau. Et deux runners. Deux runners. Ok. Donc, première action, deuxième action. Trois et quatre. Comme ça, il pourra réagir dès qu'on aura ça. Maintenant, bah, il faut jouer Silas encore une fois. Hein. Faut jouer Silas. Première. Alors. Ouais, non, je vais le faire. Première. Il va essayer de fumer là-bas. Il pourra se dire là. Il la fume. Ok. Ça a l'air simple comme ça, mais derrière, il y a quand même les runners, donc je suis coincé ici. Donc là, il faut savoir qui a ça. Alors, première, deuxième, troisième, il tire ici aussi. Il peut relancer ça. Et ça fait le feu de dragon. Hop, donc là, il y a un deuxième feu de dragon. Et donc, Silas, boum. Ok, il est au bord d'être en rouge, en ultra rouge même. Il aura joué. Alors. Ouais,
Arnaud va faire 1, 2, 3 et 4. Alors, action gratuite à distance. Il tue 2. Alors, est-ce qu'il... Non, il l'a toujours pas. Il en tue 2. Alors, il a fait une action, deuxième action. Il en tue 2, 3 et 4. Ça en fait 4. 2, 3, 4. Ok. Les autres. Bob. Ah, c'est dangereux. Allez, 1, 2. Et 1, 2. Histoire de mutualiser tout ça. Allez, je m'arrête là. J'ai joué tout le monde. Déplacement des zombies. Donc, les runners arrivent. Eux arrivent à l'intersection. Eux arrivent aussi ici. Les Fatis avancent et eux sont rejoints par les runners. Le Nécro avance dans ce sens-là. Rejoint par une horde de Walkers. Les loups et le Zombie Wolf 1, 2, 3 arrivent également là où il y a tout le monde. Ici. Invasion. En bas, nous allons avoir un Fatih. Je m'en sors bien. Et 5 zombies wolf. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, et même eux, hein, je commence à être limite limite. Hein. En bas, on va avoir une double invasion. Faut peut-être s'arrêter. Une double invasion. Et 5 walkers. Il m'en manque déjà un. Donc ça arrive ici. Ok pour ça. Eux, ils avancent aussi. Là non, là ils sont rejoints. Là. Non, 5. Eux, c'était eux qui arrivent, qui popaient. Donc eux avancent. Hop, 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 hop. Eux avancent ici. Et là, c'est bon. Et il me reste du coup deux cartes encore. Avec trois fatis. 1, 2, 3. Les fatis, c'est bon. Je suis OK. Trois fatis. Et... Oh non, une double quand on revient ici. Avec deux runners et cinq walkers. Donc deux runners. Ok, et les walkers sont réactivés. Donc, j'en ai quelques-uns sur la trogne. Mais c'est encore du gérable. Hop, 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 hop. Eux avancent ici. Eux, du coup, avancent. Sont rejoints. Ah non, c'est une case de 3. Sont presque rejoints. Par cette nuée, celle-ci avance également. Ok. Et là, c'est bon. Ok. Donc, oh là là, la pression! J'ai sur ma même case 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnes. Donc, je ne vais pas réactiver ça. Parce que la solution, ça serait de partir avec Théo. De soulever l'objectif. Si c'est le bon, c'est la oui. Si c'est loupé et que ça réactive tout ça, croquette. Alors, ça sera pas ma strat. La strat va être complètement autre chose. Faut que je nettoie tout ça. Ouais, que je nettoie ça, que je laisse le champ libre pour partir ici, ici. Soulever ça,
Ça marche ou ça marche pas, peu importe. Lui, il sera libre pour aller prendre le dernier si c'est pas le bon. Ouais, on va utiliser ça comme strat. Allez, à tout de suite!